les petits Cardaxiens, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Mythique, c'est nul. J'essaye, j'adopte un mec. Et oui, bonne vidéo. Voilà, donc pendant que je tourne, j'étends aussi le linge parce que vous l'avez vu, j'ai des très 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 grosses journées de travail avec la chambre d'hôte, les vidéos, etc. etc. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Alors, ça m'empêche pas de vous parler en même temps. Alors, je m'étais inscrit sur Mythic, 200 euros quand même, extrêmement cher. On nous prend pour des cons. Alors, Mythic, nul de chez nul de chez nul. Que des vieilles, que des gens âgés, quoi. 50 ans, 40, 45, enfin... Et puis avec des mentalités de vieilles. Souvent, elles ont des gosses. Et alors, gros problème, des fumeuses. Beaucoup de femmes qui fument, qui fument, qui fument. Et moi, il est hors de question, je dis bien hors de question. Excusez-moi, j'étends le drap, ça sera fait. Il est hors de question que je me mette avec une fumeuse. Hors de question. Et pour en finir, attendez. Hop. Voilà. Et pour expliquer la situation, hier, j'ai un ami à moi qui m'a appelé, qui m'a dit, écoute, arrête avec Mythic, c'est très vieux, c'est vieillissant, il n'y a que des femmes qui, finalement, elles sont totalement désespérées, quoi. Badou, c'est que des cas sociaux, hein, c'est fumeurs de joint et compagnie, donc laisse tomber. Essaye, toi qui veux une jeune, dynamique, d'une trentaine d'années, le site J'adopte un mec. Donc, c'est parti. On va... Je finis de détendre la lessive, là. Vous voyez, il ne me reste plus grand-chose. Lessive du jour. Ben oui, il faut le faire. Et on va aller faire J'adopte un mec ensemble. Voilà. Bon, on est assis, on est posé. On va pouvoir aller voir ce site internet J'adopte un mec. Mais autre chose que je voulais vous dire, j'ai eu sur Facebook des fakes. Et alors, attention, je préviens les autres hommes célibataires. Les fakes de nana de 30 ans, plutôt mignonne. Pas, vous savez, généralement, on a l'habitude de voir des fakes avec des nanas. Bonjour, avec les tétés en avant. Non, non, des fakes de nana plutôt mignonne, mais pas vulgaire, quoi. Avec des enfants en bas âge, de 2-3 ans. Donc, tu te dis, oui, la maman est mignonne, la petite fille est mignonne aussi. Je pourrais peut-être l'élever, il n'y a pas de problème, tu vois. Là, il n'y aura peut-être pas de problème d'éducation, puisqu'on commence depuis le début. Eh bien, il faut faire attention, c'est des fakes. C'est des nouveaux fakes. Voilà. Parce que deux personnes avec qui j'avais des conversations, j'y croyais, moi, une qui habitait sur Mulhouse, qui apparemment me suivait aussi sur Internet, et une qui habitait, je ne sais plus où, vers Marseille. Enfin, vous voyez, vraiment les deux opposés. Je me dis, bon, au moins, s'il y a une histoire qui se fait, peut-être qu'elle pourra venir, etc. C'était des fakes. C'était des fakes. Donc, il y a aussi des femmes pas vulgaires avec un enfant, où là, tu penses que c'est des vraies histoires, des vraies personnes qui sont des fakes. Donc, Internet, c'est vraiment devenu de la herbe. Hein. C'est vraiment devenu carrément n'importe quoi. Bon, maintenant que ça c'est dit, on va ouvrir J'adopte un mec. Alors, on ouvre une autre fenêtre. Google. Maintenant, j'ai Google. J'adopte un mec. Par contre, franchement... 0-0 mythique. 0 mythique. La vraie merde. 0-0-0. Alors, ça se passe par ici. Adopte un mec, le site qui donne le pouvoir. Là. Bon, on a bien compris. De toute façon, c'est les femmes qui ont pris le pouvoir. Donc, c'est pas la peine de s'affoler. Mail, mot de passe. Alors, je vais cacher le mail et le mot de passe. Mais j'étais déjà inscrit puisque c'est là que j'avais rencontré Julie. Donc on va voir si ça se reconnecte, on sait jamais. Hein. Connexion via Facebook. Réactivation de votre compte. Là, ça met pas 10 ans. Hein. Regardez, un vrai business. Réactivation de votre compte. Super, vous êtes de retour. Il manque plus qu'à réactiver votre compte en cliquant sur le lien qui vous a été envoyé par mail. Ça va vachement vite. Par contre, encore une fois, Mythic 0000. Je vous dis que des vieux, quoi. Des vieux, puis fumeuse de clope.
Prononciation. Et depuis que j'ai cette dent en moins, la dent de l'humiliation, là. Dès que tu enlèves la case non-fumeur, t'as plus personne. Voir tous les mails. Ah, ça va, une vitesse. Un nouveau départ en toute sincérité. Non, mais ils m'ont pas renvoyé de mail. À moins que ça soit lui, là. Session dans... Qu'est-ce qu'on a comme spam? Qu'est-ce qu'on a comme spam? Voilà, donc j'ai réactivé en suivant le lien. Et là, il faut payer encore une fois de plus. Eh oui! Offre de 1 mois, 24 euros. Putain, c'est un sacré budget d'aller trouver une femme. Et tu vas me dire, ouais, mais pourquoi tu fais pas à l'ancienne, dans un petit bar et dans une boîte? Je vais pas aller dans un bar tout seul, tu vois. Faut avoir des vrais amis, des vrais potes. Or, j'ai des amis qui m'ont trahi. On va pas dire les noms parce qu'on va pas faire plus de mal au mal. Qui m'ont trahi, qui m'ont accusé de choses fausses. Moi, tu m'accuses une fois, tu t'arraches de là tout de suite. Je suis trop entier, je suis trop franc. Et deux, après, les boîtes de nuit, elles sont fermées. Donc, non, t'es obligé de passer par les sites. Et je pense que c'est ce qu'ils veulent. Comme ça, on est encore plus fliqués. Alors, 24,99€. 320 charmes par mois. Carte bancaire ou PayPal? Eh ben, faut encore payer, hein. Ben, bien sûr. Valider le paiement. Non, mais ça me tue, moi. Ça me tue, Certaines de nos informations sont incorrectes. Modifiées. Attendez, je vais mettre mon numéro de carte et tout ça. Donc, on coupe. Écoutez, apparemment, j'ai même pas pu payer. Ma carte de crédit ne passe pas. Pourtant, j'ai de l'argent. Hein. Il doit me rester 3000 euros sur mon compte. Donc, là, on est tranquille. Les impôts vont passer, je vous rassure. Je paye 2175 euros d'impôts par mois. Ça, c'est pas une honte aussi, ça? Eh oui. Vive la France, vive la République. Et hop, dilatation. Ah, la racaille, il y en a bien. Bon, ben, ça passe pas. Donc, ben, écoute, je sais pas quoi te dire, moi. Erreur de transmission, nanana. Très bizarre, cette histoire. Bon, ça n'a pas voulu payer, enregistrer ma carte. Je viens d'appeler ma banque, bien sûr. Alors, je pense que ça vient du site internet J'adopte un mec. Apparemment, ils sont peut-être pas au point. J'essaierai plus tard. Et bien évidemment, je vous tiendrai au courant de cette opération. Bon, j'ai pensé à un truc aussi. Peut-être faudrait que je mette un petit coup de frais. Peut-être la grosse barbe, là, ça fait pas très jeune. Peut-être je pourrais mettre un petit coup de tondeuse là-dedans. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ouais, hein, on va faire ça. Voilà. Ah, putain, c'est resté bloqué. Ah, quand même. Alors ça, ça fait flipper. Hein. Franchement, quand ça reste bloqué comme ça. Ah merde! Aïe aïe aïe! Aïe aïe aïe! Aïe! Aïe les abonnés! Aïe! Aïe aïe aïe! Aïe 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 aïe! C'est resté bloqué! Aïe aïe aïe! Et voilà! En mode supra beau gosse! Yes! Bon, ça a repoussé. Putain, je me sens un peu tout nu là quand même, hein. Mais bon, ça fait un peu plus jeune, on verra bien. Ha ha ha! Bon, je suis revenu sans la barbe! Sans ma barbe, quelle barbe! Oh, ben ça change tout là, oui! Quelle jeunesse! Oh là là! Bon, apparemment, c'est toujours pareil. Et j'ai cumulé mes points sur J'adopte un mec. 7080 points! Ouais! Oh, quelle bonne attitude! Je vous tiendrai au courant, bien évidemment. Est-ce que j'ai fait des rencontres sur ce site? Est-ce que ça a fonctionné, etc. Je sais que ça fonctionne très très bien. J'adopte un mec puisque j'y étais avant. C'est juste que moi, j'adhérais pas au principe, quoi. Que c'est la meuf qui t'adopte. Mais bon, ben voilà. De toute façon, c'est qu'elles ont le pouvoir. Donc, faut arrêter de se mentir. Faut arrêter de se voiler la face. Et puis, on va avancer comme ça, quoi.
Voilà les petits Caraxiens, vous savez tout, je suis inscrit sur le site J'adopte un mec. Alors maintenant, est-ce que ça a fonctionné ou pas? Bien évidemment, je vous donnerai le retour d'information ici, hein, ne vous inquiétez pas. Je vous dirai tout. Marquez-moi dans les commentaires, est-ce que vous me préférez avec la barbe un peu plus courte? Voilà, elle est très courte, hein, mais bon, ça va repousser, vous inquiétez pas. Don't stress, don't worry. La barbe, ça repousse à chaque fois. Hein. C'est un truc, ça fonctionne très très bien. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes, un maximum de commentaires et à vous abonner à la chaîne de Carlaxie. Activez la petite cloche. Ah ! Avant toute chose, si tu veux être modérateur, avant de... Voilà, tu mettras la fin après, tu te démerdes. Hein. Si tu veux être modérateur sur la chaîne de Carlaxie, envoie-moi une pièce d'identité recto verso par mail. Obligatoire. Obligatoire. Voilà. Comme ça, je sais à qui j'ai affaire au niveau des modos. Et bien sûr, les modos, quand ça sera validé, je répète, ne pas ban perm. Ah, autre chose aussi, pendant que j'ai tout le monde un peu là, qu'on se parle tous, il y a quelqu'un qui utilise mon prénom et mon nom de famille. C'est la dernière fois que je le dis, où tu vas t'acheter un blaze, où tu mets ton prénom et ton nom de famille, ou tu mets un pseudo, tu te débrouilles avec une tête de ce que tu veux, une tête de fou, d'ange, on s'en fout. Mais tu n'utilises pas mon nom, mec, ça s'appelle de l'usurpation d'identité. C'est vraiment la dernière fois que je le dis parce que après ça sera ban perm, pour le coup, lui, ban perm, parce que c'est très grave, l'usurpation d'identité, c'est vraiment grave. Voilà les petits Carlaxiens, je vous embrasse très fort, ciao, ciao.